L'aurore des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis. Et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là. Pour mourir à ses pieds, oui à ses pieds, battez tambour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir bien loin, c'est pour les Africains. Et quand sera finie la guerre, nous reviendrons dans nos gourbis, la tête haute et la rivière, d'avoir défendu le pays, en avant. En avant, c'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis. Et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous voulons porter haut et fier ce beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un nous serions là pour mourir à ses pieds, nous et à ses pieds, battre tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir bien loin, c'est nous les Africains. Attention pour les couleurs. Oui, envoyez. D'hommage aux morts pour la France. Pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, instauré par le décret numéro 2003-925 du 26 septembre 2003. Le 1er novembre 1954, débutait une insurrection sanglante sur le territoire français de l'Algérie. Les forces de l'ordre s'efforcèrent de redonner confiance à la population terrorisée par les exactions des insurgés. Tout en menant des actions de pacification, l'armée française, renforcée par des millions d'autochtones, se lança avec succès à la poursuite de bandes rebelles. Malheureusement, la signature d'accord avec les représentants du FLN le 19 mars 1962 priva l'armée française d'une victoire acquise sur le terrain.
retenir la date du cessez-le-feu pour honorer les morts des combats en Afrique du Nord, près de 25 000 tués ou disparus. Ce serait oublier qu'après ce semblant de trêve, des milliers de harkis, morazni et supplétifs ainsi que des civils ont été torturés et massacrés. Ce serait oublier qu'après ce semblant de trêve et jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, plus de 500 militaires sont morts pour la France. C'est pourquoi, à la demande des associations d'anciens combattants et de veuves de guerre, les pouvoirs publics ont officialisé la date du 5 décembre, jour de l'inauguration du mémorial national à la mémoire des victimes des combats en Algérie, Tunisie et Maroc. 60 ans après le déclenchement de la guerre d'Algérie, ce 5 décembre appelle les Français à se rassembler devant les monuments pour rendre hommage aux militaires, supplétifs et civils morts en Afrique du Nord, dans l'accomplissement de leurs devoirs au service de la France. Ce 5 décembre appelle aussi les Français à honorer la mémoire des victimes des opérations extérieures où l'armée française est engagée à travers le monde pour protéger des peuples de la barbarie et maintenir au nom de la France une paix menacée. Monsieur le conseiller général, Monsieur le Président de l'UNC, Mesdames et Messieurs les représentants du monde combattant. Aujourd'hui, en ce 5 décembre 2014, nous sommes rassemblés pour rendre l'hommage de la République aux 25 000 soldats français tombés pendant la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie. Appelés du contingent, militaires, harkis, membres des forces supplétives, ils ont répondu à l'appel de la nation. Ils ont servi la France à l'un des moments les plus douloureux de notre histoire. Quand tout semblait vaciller, quand le pays semblait succomber aux pires divisions et aux troubles les plus graves, quand la République elle-même semblait défaillir, ils ont tenu. Nous n'oublions pas leurs sacrifices, nous n'oublions pas leur mémoire. Nous voulons que plus jamais un tel conflit ne puisse se reproduire. Nous voulons poursuivre l'œuvre de réconciliation des mémoires. Nous voulons construire un avenir de paix, de compréhension, de confiance et d'amitié avec nos voisins du sud de la Méditerranée. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour dire la reconnaissance de la République à tous les anciens combattants d'Afrique du Nord. De 1952 à 1962, ils ont été plus d'un million et demi venus de toutes les régions de France et appelés à servir par-delà la Méditerranée, sur cette terre, si belle et si proche, qui resterait à jamais gravée dans leur cœur et leur mémoire. Ils ont appris le devoir, le courage, la fraternité des armes. Ils ont appris combien être français exigeait de sacrifices. Ils ont vu leurs camarades tomber. Dans le bled, le désert ou le djebel, ils ont traversé les plus terribles épreuves, celles qui vous marquent à jamais et font de vous des hommes. Je veux leur dire aujourd'hui, à tous, notre respect et notre reconnaissance. Aujourd'hui, nous sommes aussi rassemblés pour rendre l'hommage légitime de la nation à la mémoire des civils français tombés pendant la guerre d'Algérie. Ils aimaient la France et ils aimaient cette terre algérienne à laquelle ils avaient depuis des générations tant donné. Leur travail, leur joie et leur peine, leur vie tout entière. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour dire aux harkis et aux rapatriés qu'en ce jour où la France commémore les victimes de la guerre d'Algérie, nous nous souvenons de ce que fut leur tragédie. Ils durent tout quitter, les paysages qu'ils avaient vus grandir, les maisons qu'ils avaient construites, tout ce qu'ils aimaient et dont ils seraient désormais privés. Ils ont droit au respect. La guerre d'Algérie fut une guerre terrible. Elle a eu ses morts, civils et militaires, dont nous honorons aujourd'hui le souvenir. Elle a eu ses blessés, elle a causé d'immenses souffrances, elle a laissé dans nos mémoires nationales des cicatrices profondes. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est construire un avenir meilleur, de paix définitive, de compréhension et d'amitié entre les deux peuples. N'oublions pas ce que fut la guerre d'Algérie, non pas pour raviver les plaies d'un passé douloureux, mais pour construire une mémoire réconciliée, une mémoire sereine,
une mémoire apaisée. Je vous remercie. Nous serions là pour mourir à ses pieds, oui à ses pieds, battez tambour, à vos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir bien loin, c'est pour les Africains. Et quand sera finie la guerre, nous reviendrons dans nos gourbis, la tête haute et la fière, d'avoir défendu le pays, en avant. En avant, c'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis. Et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous voulons porter haut et fier ce beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un nous serions là pour mourir à ses pieds, nous et à ses pieds, battez tambour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir bien loin, c'est nous les Africains.